devenait la forme du Murli et des Murli d'art. Avec du 25 novembre 2001, en termes d'effort, vos propres efforts, la porte de un mot et pourquoi, qui est la porte à la faiblesse dans les efforts et le pourquoi, la question, le point d'interrogation, pourquoi. Ce mot pourquoi dont Baba vous rappelle à tous les enfants de cette terre et de l'étranger, parce que ce pourquoi normalement il dit qu'il amène la queue de toutes les formes de questions. C'est le début d'une queue de toute une forme de questions en face de vous. Maintenant, mettez un point final à la porte des problèmes, à la question pourquoi. Êtes-vous capable de faire cela? Êtes-vous des professeurs capables de faire cela ou êtes-vous des pandaves aussi, capables aussi? Est-ce que chacun de vous lève la main ou seulement certains d'entre vous? Vous les étrangers êtes toujours prêts, n'est-ce pas? Oui ou non? Si oui, alors levez la main très haut. Certains le font ainsi maintenant, qu'il n'y ait aucun nom ou trace de problème venant des centres, restant dans les centres. Est-ce possible? Est-ce que chacun d'entre vous dise je dois faire cela? Que les professeurs pensent ainsi, je dois faire cela. Que les étudiants pensent ainsi, je dois faire ainsi. Que les résidents de foyer pensent ainsi, je dois faire ainsi. Que les résidents de Madhuban pensent, je dois faire cela. Êtes-vous capable de faire cela? Est-ce possible que le mot problème se termine? Que les raisons finissent et qu'il n'y ait que des solutions? Cela ne peut-il pas être possible? Est-ce que les enfants qui sont venus au début de l'établissement en premier, qui le démontreront ou qui mettront cela en pratique? Ils démontreront que l'impossible devient possible. Vous avez montré cela, n'est-ce pas? Dans combien d'années à cela a-t-il pris? Ou combien d'années cela va-t-il prendre? Combien d'années depuis l'établissement? 65 ans. Dans de telles nombreuses années, l'impossible ne peut-il pas devenir possible après tant d'années? Est-ce possible? Y a-t-il des doutes? Vous pensez un petit peu? N'y pensez pas, je dois le faire. Ne pensez pas aux autres, que chacun de vous pense à lui-même. Vous pouvez penser pour vous-même, n'est-ce pas? Oubliez les autres, vous êtes capable de penser pour vous-même, vous avez du courage pour vous-même, n'est-ce pas? Ou non? Rassurez-vous.
Les étrangers ont-ils ce courage? Petite félicitation. Maintenant, ceux qui comprennent, levez vos mains depuis votre cœur, non pas superficiellement. Ce n'est pas que je lève ma main juste parce que les autres le font ainsi. Si vous avez des déterminations dans votre cœur pour en terminer avec les raisons, assurément devenez une incarnation de solution. Peu importe ce qu'il se passe, ou peu importe ce que vous devez tolérer, même alors, même quand vous devez vous opposer à Maya, même si vous devez tolérer les uns les autres dans vos connexions et relations, vous ne devenez pas un problème. Vous ne devez pas devenir un problème. Est-ce possible? माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओम शांति आपका स्वागत है आज दिन पांच इच्छा मात्रम अविद्या की जय व्यक्ति परिवार donc on prépare demain le 5 septembre être ignorant de tous les désirs et donner aux autres cette expérience et donc le sujet de ce soir l'incarnation du succès vous pouvez seulement avoir ce niveau d'être libre de désir si vous-même êtes yukti-yukt, empli de connaissances et empli de succès, c'est-à-dire l'incarnation du succès. Ceux qui ne sont pas pour eux-mêmes l'incarnation du succès ne peuvent pas combler les désirs des autres âmes. Ceux qui ne sont pas pleins, complets, ont assurément des désirs. Parce que c'est seulement lorsque vous devenez empli que vous pouvez avoir ce niveau d'être empli, libre de toute la connaissance de désir. Toute connaissance de désir. Écoutons mon Didi. Om Shanti. Om Shanti. Sabhi theek hain. Yeah? Est-ce que tout le monde est OK? Tout le monde est heureux? Sangam yukto. Mojonga yoga na. Cet âge de confiance est empli de joie. Les situations viendront. Mais alors que les situations viennent, nous ne sommes pas assis avec les situations, alors que les situations vont et viennent, nous devons aller au-delà. Quand nous allons au-delà,
Les situations ne semblent pas si grandes, si fortes. Parce que chaque situation est un examen. Et donc, réussir un examen, le yukti, c'est de n'avoir aucune influence des situations sur soi. Les situations viennent et viennent parce que vous êtes capable de rester au-delà. Ils viendront et ils partiront. Elles doivent venir, mais vous pouvez rester OK. Donc, les pensées devraient être telles quand les situations viennent, vous êtes capable d'aller là. Le succès est votre sujet, votre droit de naissance. Donc, quand vous avez cette connaissance, donc si vous avez ce sentiment d'être empli de succès, vous avez ce succès pour vous-même. Et à quoi devez-vous porter une attention? C'est de ne pas aller. Non, Baba dit être yukti-yukt. Vous devrez donner la connaissance. Si vous parlez à quelqu'un, en premier, vous devriez penser est-ce que les paroles sont bonnes, est-ce qu'elles sont emplies de connaissances, est-ce qu'elles ne blessent pas. Vous ne devriez pas avoir ce sentiment de donner de la peine, mais vous devriez donner la connaissance tout en étant yukti-yukt. Certaines personnes disent devrait être dans un niveau empli de tact. Mere sochne mein kya vidhi hai, main jo bolti hu uski kya vidhi hai, mera aapas mein sabse sambandh mein kya vidhi hai. De quelle façon dois-je parler, dois-je penser, de quelle façon dois-je avoir une relation avec les autres? Cela prend un certain beaucoup de temps pour certaines personnes de comprendre cela. Mais pourquoi je n'obtiens pas la coopération des autres? Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi les choses ne sont pas correctes? Du fait de nos sanskars qui viennent entre les deux. Donc, tout en voyant ces sanskars, changez-les. Et quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, il est important qu'il n'y ait rien de faux dans le drama, de comprendre cela. Nous devrions être yukti-yukt. Et donc, qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'il y ait ce sentiment de succès. Donc, il y a du succès dans le fait d'être yukti-yukt tout en étant dans cette conscience de l'éternité. Baba parle du fait d'être dans ce niveau de complétude. Nous ne devrions pas compliquer, mais garder notre charte. Et donc, combien j'ai été complet, combien j'ai été empli de connaissances. Knowledgeful hota hai samajhdar. Har baat ki Baba ne samajh di hai, har baat. Une personne empli de connaissances et comment Baba nous a donné de reconnaître chaque chose. Donc, Baba dit, et alors vous serez alors toujours plein de succès. Dans chaque sujet, vous avez la connaissance, yoga, dharma et seva. Et cela s'applique à toute chose. Mais vous ne devez pas mesurer le succès sur succès par un niveau extérieur, mais plus mesurer le succès à l'intérieur. Combien j'ai du succès dans la transformation du soi? Baba dit le fait d'être yukti-yukt. Par hum log in 3-4 baaton par focus karke
Le point d'être rempli de succès, c'est un très grand sujet. Donc, en focalisant sur 13 aspects, nous allons ainsi réaliser le devoir de demain. Nous pouvions simplement avoir le niveau d'être ignorant de tous les désirs que si seulement vous êtes yukti yukti, reprend le glissi, rempli de connaissances et constamment rempli de succès. C'est le fait d'être l'incarnation du succès. Ceux qui sont l'incarnation du succès ne peuvent combler les désirs des autres âmes, les souhaits des autres âmes. Ceux qui ne sont pas remplis, assurément, ont des désirs. Parce que c'est seulement lorsque vous êtes rempli, vous pouvez avoir le niveau d'être ignorant de toute la connaissance des désirs. Tout ce qui se passe avance correctement. C'était le point de ce matin, le drama est bénéfique. Donc, comment, avec ce niveau, nous pouvons faire ceci? Nous expérimentons un tel niveau. Et les autres vont ainsi expérimenter un tel niveau de nous. Avyakt Murli Revision 1969 Gyan Ke Ratan Numéro de l'Avyakt de Révision de 69 Joyeux de la connaissance, les perles de l'amour. Avyakt Vani Donc, devenir complet de tout, avec toutes les vertus, semblable au Père, et c'est la Vyakta Murli du 2 mai 1974. Est-ce qu'un royaume, de quelle façon, de façon principale, comment peut-il avoir tous les droits, rester constant, inébranlable et libre d'obstacles? Si l'esprit et l'intellect, les plus proches pouvoirs de l'âme, les principaux qui règnent le royaume, les travailleurs, ne sont pas sous votre contrôle, comment appelleriez-vous de tels travailleurs, les plus grands victorieux ou les plus faibles? Donc, contrôlez et voyez si vos principaux travailleurs sont sous votre contrôle. Si ce n'est pas le cas, alors comment pouvez-vous devenir ceux qui ont un droit de souveraineté du soi, de souveraineté du monde ou d'empereur du monde, ceux qui ont un droit à cela? Si vos propres petits devoirs vous déçoivent, pouvez-vous être appelé des mahavires? अपने को दुख दे तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा चैलेंज तो करते vous faites face ou vous avez vous terminez un défi alors que vous établissez un royaume cela un royaume qui est gouverné avec la loi et l'ordre si les travailleurs c'est-à-dire les organes des sens de ceux qui en finissent avec le défi ne sont pas sous leur propre loi et sous l'ordre, mais qu'eux-mêmes sont sous l'influence des travailleurs, peuvent-ils établir la loi et l'ordre dans le monde? Jusqu'à quelle étendue jusqu'à quelle étendue vos organes des sens sont sous votre contrôle? Contrôlez cela et développez les sanskars d'être victorieux à partir de maintenant. Seuls ceux qui glorifient le nom de Bab Dada peuvent devenir complets, semblables au Père. Bab Saman, Sampann hote hain. Acha? À ceux qui comprennent avec un signal, et font que leurs travailleurs travaillent avec un signal, à ceux
qui sont les âmes proches du Père, à ceux qui expérimentent tous les droits, à ceux qui sont constamment complets, constamment victorieux, à de tels enfants sensés, l'amour, les souvenirs, un bonjour et un namasté de Bab Dada. Bab Dada ka yaad pyar, good night, or namaste. Om Shanti.